venue. Dites-moi, j'espère que vous allez me faire rire par la suite aussi avec l'énigme. Oui, je vais tomber. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? C'est dramatique. C'était difficile aussi. Oh, j'étais aux premières loges, moi. Ouais, je sais. Allez, pas encouragé aussi. Non, c'est pas de façon, il m'entendrait pas. Alors, mais vous allez m'entendre, j'espère, et me répondre, parce que là maintenant il faut redevenir sérieux, l'enjeu est important. Une bonne réponse et vous repartez avec l'indice qui est contenu là-dedans. D'accord. Vous êtes bien prêt, vous êtes tout va bien. Pas super, mais bon. Bon, allez. Ça change rien. Écoutez bien. Elle n'est pas à l'abri d'un coup. Cependant, elle évite de frapper. Du serpent, elle est toute au bout. À la porte, vous la mettez. Qui est-elle? Je répète. Elle n'est pas à l'abri d'un coup. La queue Non, cependant, elle évite de frapper. Coup de foudre. Du serpent, elle est toute au bout. La sonnette. À la porte, vous la mettez. La sonnette. Eh bien, oui. Bravo, bravo. On donne un coup de sonnette. La sonnette évite de frapper à la porte. Le crotal appelé serpent à sonnette en raison de sa queue qui émet un son. Et la sonnette que l'on place à la porte d'entrée. Eh bien, moi, je vous remets cet indice avec lequel vous allez repartir, mon cher. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bravo. Merci. Bravo. J'ai pas été très drôle, mais je suis bien content quand même. Oui, je m'attendais à un petit peu plus de divertissement, mais bon, bah écoutez, je vais vous regarder descendre. Au revoir, Jean-Luc. Oh, alors là, c'est moi qui suis sonné.